tous, bienvenue Jolie, nouvelle vidéo pour parler de la pluie, je pense que vous le voyez avec ces images, hein, avec cette Porsche au premier plan, mais surtout cette Cadillac au second plan. Vidéo pour parler de la pluie et surtout faire un petit retour sur cette pluie qui était attendue dans e-racing. Beaucoup l'attendaient comme le Messie en disant ouais, ça va tout changer. Alors effectivement, elle est là, elle est présente, elle a fait grand bruit puisque finalement elle a apporté ce qui manquait un petit peu e-racing, notamment sur les endurances, c'est tout simplement un petit peu d'aléatoire. Et vous le voyez avec ce départ des 12 heures de Sebring réel de cette année, 2024. On est dans le split 1, et vous le voyez, elle a aussi apporté son lot d'e-racing problèmes avec des voitures qui étaient plus adaptées à la pluie que d'autres. Je pense notamment aux Acura qui semblaient beaucoup plus rapides sous la pluie que toutes les autres. Je pense aussi au moteur V10 qui semblait beaucoup plus rapide que toutes les autres. Donc bref, une nouvelle fois, les problèmes classiques d'e-racing, voilà, on sort des choses mais on équilibre pas grand chose. C'est visible en split 1, même si je dois vous l'avouer que même dans notre petit split, quand on était avec la Ferrari, on était clairement arrêté sous la pluie par rapport aux Audi et autres Lamborghini. Porsche qui était pas mal aussi, mais bon, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur finalement la pluie en elle-même. Qu'est-ce que vraiment elle apporte, à part de l'aléatoire, à part justement ce côté un petit peu adaptation dans votre pilotage, certes, mais est-ce que cette pluie e-racing, dont beaucoup en font l'éloge en disant « ça va être dur pour les autres de faire mieux » et je fais partie de cette classe-là, mais concrètement, quand on rentre dans les détails, est-ce que cette pluie, elle est si formidable que ça? Écoutez, j'ai déjà envie de commencer en écartant tout de suite beaucoup de points, je ne vais pas dire tous les points, mais beaucoup de points sur l'aspect physique, pilotage, force feedback. Évidemment que la pluie dans e-racing, c'est la seule qui vous oblige à adapter votre pilotage selon la quantité d'eau qu'il va y avoir. C'est-à-dire que sur une phase de freinage, et vous le voyez actuellement avec cette caméra toit de la Cadillac, on voit que la piste est gaugée. Donc forcément, aller à gauche, au milieu ou à droite, c'est plus ou moins la même chose. Mais sur certains virages, on va voir qu'il y a plus de pluie à gauche qu'à droite, plus de pluie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bref, ça va vous forcer à adapter votre trajectoire et ça marche. Donc sur cet aspect-là, il n'y a aucun débat. Après, le débat, il peut arriver au moment où on va parler de l'aspect graphique. Et alors là, il y a un gros problème dans e-racing qui n'a toujours pas été résolu un mois et demi après. C'est qu'au visuel, c'est pas évident de repérer une piste qui sèche. Pourquoi? Parce que vous le voyez avec ces images d'une vieille course que j'ai fait dans RF2. Et vous allez voir, il va y avoir pas mal de petites comparaisons avec LMU et RF2 un petit peu. Vous le voyez, on a une trajectoire sèche. On a une impression que si on va au milieu, si on va sur la trajectoire normale, c'est sec. Évidemment, si vous mettez les roues hors trajectoire, comme le fait l'Aston Martin devant moi, oui, il y a un petit peu d'eau qui sort. Le problème d'e-racing, c'est que vous roulez à gauche, au milieu ou à droite, on a l'impression qu'il y a toujours de l'eau qui sort. Et même si au visuel, on a cette impression que la piste est toujours noyée, à la physique, on ressent effectivement que la trajectoire commence à sécher. Mais un mois et demi après, ce n'est toujours pas résolu. Et maintenant, j'ai envie de parler uniquement du visuel. Alors, je répète, je parle vraiment du visuel dans le graphisme. Vous le voyez avec ce plan que je trouve absolument magnifique. On est sur LMU, et c'est vrai que LMU, l'aspect ciel, je trouve que le ciel est magnifique dans LMU. L'aspect reflet est plutôt joli, mais il y a quelque chose qui va quand même avoir l'obligation et l'honnêteté de saluer, c'est que autant dans LMU, c'est vrai que visuellement ça a l'air joli, mais de temps en temps ça paraît un petit peu trop artificiel, ça paraît un petit peu trop jeu vidéo. À l'inverse, et vous allez le voir sur ce plan, on a vraiment une sensation que e-racing, à l'inverse d'LMU, lui a un côté réel, a un côté extrêmement crédible. Alors évidemment, c'est un débat. C'est un débat. Certains vont dire « Ouais, mais ça paraît crédible, mais ça paraît aussi un petit peu fade. » D'autres vont trouver le côté LMU un petit peu trop artificiel. Bref, je trouve que les deux jeux vont dans une direction différente. Après, si on fait un arrêt sur image et si on prend une photo, évidemment, e-racing paraît extrêmement plus crédible. Mais surtout, le terme crédible, qu'on le comprenne bien, et j'aimerais vraiment 3 secondes pour l'expliquer, quand je parle de crédibilité, je parle de réel. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes et que tu regardes une image d'e-racing, tu te dis « Ah ouais, ça fait réel. » LMU, je pense qu'il y aura beaucoup plus de facilité à déterminer que c'est un jeu vidéo. Mais malgré ça, voilà, les deux ont de très bonnes qualités et
je dois vous avouer une chose, c'est que e-racing a le mérite d'être super bien optimisé à ce niveau-là. Je pense que ça faisait peur à beaucoup de gens hein, d'avoir l'appui sur e-racing. On se disait combien d'FPS on va perdre. Ben non, finalement on n'en perd pas tant que ça, mais d'un autre côté elle a mis aussi le fun, donc voilà. Ça n'a pas l'air si bouffant que ça de mettre des gerbes d'eau derrière la voiture. Et en parlant des gerbes d'eau, c'est une chose qui est super bien faite dans e-racing, puisqu'on a vraiment la sensation que quand on est derrière quelqu'un, ben on voit plus rien. On le voit avec ces images, hein, toujours avec la Cadillac, on est derrière une voiture, on ne voit rien, donc ça nous oblige un petit peu à nous décaler, notamment pour anticiper les freinages, pour finalement avoir des repères visuels. Donc non, ça clairement à ce niveau-là, e-racing est très 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 fort. Et ça en est même dangereux hein, de temps en temps, quand vous êtes derrière une, deux, peut-être même trois voitures, c'est que vous voyez vraiment rien. Et mine de rien, je pense que c'est un facteur peur qui n'est pas présent dans le sim racing. On sait, personne n'a peur quand tu roules en sim racing, c'est pour ça qu'il y a autant de dingueries. Mais là, quand t'as vraiment zéro repère visuel, quand tu ne vois plus rien, disons-le, bah, ça t'oblige à être extrêmement calme. C'est peut-être pour ça que le départ de la course de Sebring n'a pas été accidentogène, c'est-à-dire que tout le monde s'est vraiment calmé, et ça, ça fait plaisir. Évidemment, un petit autre point de comparaison avec LMU, bah, vous voyez que dans LMU, bah, quand on suit une voiture, oui, il y a aussi des gerbes d'eau, il y a des projections d'eau, mais je trouve qu'elles font vraiment, une nouvelle fois, un petit peu plus jeu vidéo. Et c'est là où e-racing est très fort, c'est que ça fait extrêmement crédible. Là où LMU, bah, ça fait jeu vidéo, malgré tout, voilà. Il y a quand même du pour et du contre, au moins on voit ce qui se passe. C'était un petit peu la vidéo comparative hein, avec cette pluie dans e-racing. Pourquoi comparative? Je me répète, le but c'est toujours avoir deux points de vue différents. Le fait de mettre en parallèle deux jeux différents, ben, on se rend compte des qualités assez exceptionnelles de la pluie dans e-racing, notamment dans le force feedback et la physique. Après, sur le plan visuel, voilà, je pense que certains vont dire c'est mieux là, mais voilà, au moins je voulais faire le parallèle, donc je vais vous laisser sur un petit montage avec quelques petits bouts. Par-ci, par-là, dites-moi en commentaire, je mettrai deux choix, on va dire, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes Team E-Racing ou Team LMU? Évidemment, on parle au global. Si on parle que de physique, il n'y a même pas débat. C'est 100 pour E-Racing, 0 pour LMU. Par contre, si on met tout ensemble, peut-être qu'il y a un petit peu plus de débat. Bref, voilà, le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!